Yo, j'espère que vous allez bien. Bah, ça va, ouais, tranquille, la forme. Alors, je suis vraiment pas habitué, genre, je déteste complètement faire ce genre de vidéo où il n'y a pas de script, ou même là, je mets jamais mon fond vert. Mais en gros, je vais arrêter de publier des vidéos sur cette chaîne. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, en gros, ici, je fais de la critique de YouTubeurs. Mais ça fait un super moment que ça me dégoûte, enfin, j'en reviendrai après. En gros, j'ai ouvert une nouvelle chaîne de jeux vidéo. Genre, c'est de la critique de jeux vidéo. Alors c'est la même chose, le même rythme. D'ailleurs vous avez un extrait ici. Et le goulag, ce n'est pas qu'un simple lieu, c'est une manière de vivre. Comme en prison, divertis donc tes coéquipiers. Tu te fais chier? Tabasse donc quelques clochards. On fuit car on ne veut pas être copain avec toi. Poursuis-les donc jusqu'à ce qu'ils en crèvent. C'est quoi ce skin? Non, je sais ce que tu veux, tu souhaites plutôt déstabiliser ceux qui se battent. Que vas-tu faire? Les insulter? Non. Prends plutôt cette pierre et lance-la sur ces immigrés. Harry Potter! Mais c'est complètement génial! Mais tenez mon argent, prenez! Voilà, bon bah si vous voulez la suite, y a un lien en description et voilà, il y a le lien de ma chaîne. Alors pourquoi j'ai complètement décidé de changer de contenu? Pourquoi j'ai décidé de m'orienter sur un autre contenu? Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis ma vidéo sur Harouf, ça a commencé avec cette vidéo là. Genre je prends vraiment aucun plaisir à faire ces vidéos. Genre je déteste complètement d'en faire, genre c'est un réel fardeau. Enfin bon, y a pire comme fardeau, mais genre ça me dégoûte. Genre le fait de critiquer genre facilement, limite au clash, violemment certaines personnes, parce que vous savez, Loup Solitaire c'est un personnage, et genre le mec qui exagère un peu tout, qui insulte gratuitement, au fond de moi, ma personne en tant que moi, genre je me dis putain mais le pauvre, qu'est-ce qu'il se mange dans la gueule en fait, genre si j'avais été à sa place j'aurais été mal, je sais pas, c'est ce bashing constant. Alors j'aurais pu être tout à fait changer mon visio, genre j'aurais pu devenir quelqu'un de un peu plus lisse et tout bordel, mais ça m'aurait vraiment par là ressembler, en tout cas à ce que vous connaissez. Donc du coup j'ai décidé de faire sur un sujet qui me passionne, genre les jeux vidéo. Genre pour les premiers qui étaient là avant les 15 000 abonnés, je faisais une critique sur, non même pas une critique, c'était genre comment construire une belle maison sur Minecraft. Putain j'ai bavé, je m'éclatais, c'était un moment où je m'éclatais. Alors pourquoi pas se relancer dans ça? Alors c'est tout à fait ce que j'ai déjà réalisé avant sur mes vidéos critiques de youtubeurs. Le même humour, le même montage dynamique, sauf que maintenant j'insulte personne, à part peut-être les éditeurs de jeux vidéo ou les personnages dans le jeu. Et je me remets en question, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Voilà, alors pourquoi je fais pas de nouvelles vidéos sur cette chaîne concernant les jeux vidéo? C'est pas parce que j'aime pas mélanger les deux contenus, c'est juste que cette chaîne a été démonétisée il y a un mois et demi. Et en fait si vous voulez, en fait c'est pas moi, c'est pas à cause de mon contenu, enfin si d'une certaine part, c'est pas à cause de mes vidéos, c'est juste que à un moment j'avais créé un compte AdSense et j'avais mis un numéro de téléphone bidon et un mot de passe bidon, enfin des conneries dont j'arrive plus à me souvenir, il faut valider par un robot, des trucs comme ça, et j'ai plus accès à mon compte et mes vidéos ont été démonétisées. Bon après je sais que certains vont être déçus, ils vont complètement se désabonner, se casser et aller autre part, ou je vous comprends si vous aimez pas les jeux vidéo et que ça vous intéresse pas, ou que la critique ça vous intéresse mais pas forcément de jeux vidéo, je comprends. Et après il y a de très bonnes chaînes, hein, genre le Radier Radier, Max est là, moi au final je vais partir vers une nouvelle aventure. Alors ceux qui veulent me suivre, il y a bien évidemment le lien dans la description, mais voilà, c'est la fin d'une histoire. Après cette chaîne, je sais pas ce que je vais en faire. Alors les vidéos, elles vont rester déjà en ligne, le temps de toucher la SACEM, hein quoi. Mais bon, je me sens un peu genre libéré d'un poids, genre, ah putain mon dieu, je vais arrêter de faire des vidéos critiques, genre au fond de moi, genre... ça me bouffait. Être un produit de haine, au final, ça te pourrit de l'intérieur. Mais bon, il faut bien tenter des choses, et finalement, j'ai 21 ans, et je peux toujours progresser, hein, écoute. Vaut mieux faire ça que complètement péter un câble et se casser à tout jamais sans prévenir personne. Moi, j'ai toujours envie de créer des vidéos. Bon, en attendant, mes réseaux sociaux sont ouverts, j'ai Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas. En fait, je vais faire des tests, mais des fois, quand je pourrai pas, en fait, je vais devoir chevaucher entre deux tests. Qui voulez-vous en premier? Soit Final Fantasy 7, soit Animal Crossing, et je mettrai le sondage sur Twitter, sur Instagram. Voilà, bon, bah merci beaucoup et passez une très bonne journée. Salut! Lâche un like, ho ho, abonne-toi, enterre tes morts, suce ton père.